Une rencontre a été organisée lundi à Casablanca afin de présenter les actions prioritaires visant la mise à niveau du Grand Casablanca et l'amélioration du cadre de vie des Casablancais. Nous avons choisi des projets qui sont réalisables, qui ne posent pas de problème au niveau de la réalisation. Donc on va toucher plusieurs secteurs. Transport en commun, on va injecter 200 bus supplémentaires dans le parc de bus de Casablanca pour desservir les zones qui souffrent encore de ce problème de transport en commun. Nous allons consacrer une enveloppe consistante également pour renforcer les moyens de sécurité parce que les Casablancais attendent davantage de sécurité au niveau de Casablanca. Un budget important pour le renforcement et la maintenance du réseau de voirie qui est énorme à Casablanca. Là aussi, un budget consistant a été prévu. Un budget global de 2 milliards 820 millions de dirhams est ainsi alloué, entre autres, au transport en commun, à la sécurité des citoyens, à la modernisation des voiries, à l'éclairage public et à l'inclusion des habitants des quartiers périphériques du Grand Casablanca.